Voici l'histoire du petit poisson qui n'arrive pas à faire des bulles rondes. Éloane est un petit poisson qui vit au fond de l'océan. Il a beaucoup d'amis, mais il a un gros souci. Il ne sait pas faire des bulles rondes comme les autres poissons. Il essaie pourtant tous les jours, mais les bulles ne ressemblent à aucune forme connue. « Je n'y arriverai jamais, je suis trop nul !» gémit-il. Le voyant triste, son ami le crabe lui donne un conseil. « Peut-être que si tu arrêtais de bouger, tu y arriverais plus facilement. » Éloane arrête alors de bouger et il sort de sa bouche des bulles en forme de triangle. « C'est déjà mieux, mais ce n'est pas encore ça !» soupire le poisson. Le Bernard l'ermite, juste après avoir changé de coquillage, réfléchit puis lui dit « Essaie de souffler plus doucement !» Éloane arrête de bouger, souffle doucement et il sort de sa bouche des bulles en forme de carré. « C'est joli, mais ce n'est pas réussi !» dit le petit poisson. Un peu plus tard, la méduse lui explique « Si tu fermes tes yeux, ce sera plus facile pour te concentrer !» Éloane arrête de bouger, souffle doucement, ferme ses yeux et il sort de sa bouche des bulles en forme de rectangle. « Ce ne sont toujours pas des bulles rondes !» se plaint le petit poisson. À son tour, la crevette lui donne son avis. « Peut-être que si tu respirais plus calmement, tu y arriverais. » Éloane arrête de bouger, souffle doucement, ferme ses yeux, respire calmement et il sort de sa bouche des bulles en forme d'ovale. « On y est presque !» constate le petit poisson en reprenant confiance en lui. L'étoile de mer hésite puis lui chuchote. « Essaie de penser à des objets ronds quand tu souffles et surtout, aie confiance en toi. Tu peux y arriver, j'en suis sûre. » Éloane arrête de bouger, souffle doucement, ferme ses yeux, respire calmement, pense à des ballons et il sort de sa bouche des bulles en forme de cercle. « Youpi ! Grâce à vous tous, j'ai réussi ! Merci !» s'exclame le petit poisson ravi. Maintenant, grâce à tous ses amis, Éloane fait de belles bulles rondes comme les autres poissons. Il a pris confiance en lui et y arrive maintenant même sans y réfléchir. Mais quand il veut s'amuser, c'est aussi le seul poisson de l'océan capable de faire des bulles de toutes les formes. Cette histoire est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura fait passer un bon moment et je te retrouve pour d'autres histoires. Je te fais plein de gros bisous.